Salut à tous, c'est Immortal 71 Camille et on se retrouve aujourd'hui sur Arcania Gothic 4 The Complete. Tel roi, j'apporte de terribles nouvelles. La flotte qui nous a envoyé dans la gorge de Georgia. Silence! J'ai besoin de calme. Ouais, bah tu m'étonnes. Donc c'est donc voilà la version complète nommée The Complete Tale, voilà, sur PS4. Le jeu était initialement sorti à l'époque sur 360, PS3, PC. C'était en 2010. Je crois que c'est en 2011 qu'il y a dû avoir une version PS3. Je suis plus trop sûr des infos. En tout cas, cette version cette version remasterisée est sortie en 2015, si je ne m'abuse. Si je me trompe, ben n'hésitez pas à me rectifier dans les commentaires. Hein. Et ouais, du coup, je me promène un peu là. Et donc voilà, donc c'est un jeu. Donc c'est un jeu, comme j'ai dit tout à l'heure, Gothic 4, hein, parce qu'il fait partie de la série des Gothiques. Donc la cultissime série de RPG, donc là, que tous les PCistes connaissent, et même moi je connais, alors pas énormément, mais je connais quand même, j'ai déjà joué aux anciens, et c'est vrai qu'ils étaient très très bons. Alors ce côté 4 Arcania, on lui a reproché énormément de choses. Hormis ça, hormis justement son, qu'il était beaucoup plus linéaire que les anciens, moins bien construit sur pas mal de choses. Alors tu ouvres la porte là ou pas? Bon, ah c'est celle-là de porte. Ah bah bravo, il me met l'interaction 2 mètres avant quoi. Enfin bon. Ouais, non mais d'accord, je veux bien, mais... Ouais. Attends. Ah, voilà. D'accord, c'est pas ça. Ah! Ah, voilà. Ouais. Voilà. Et sur le coup, je savais pas comment sortir mon épée là. Ouais. Ouais, ça va. Et il a plutôt une bonne tête. La musique est sympa. Hein. Je sais pas si je l'ai dit, mais la musique est plutôt sympa. On peut passer par là. Oui, mais ça revient au même. Est-ce qu'on peut courir? Oui. Bon, à mon avis, ce niveau va servir de didacticiel. Hein. Tiens! Voilà! Non, mais je vais t'apprendre, moi. Pas compte, on peut aller là ou pas? Hein? Ça sert à rien. Donc, petite roulade. Ouais, c'est bien. Ça me fait marrer, je sais pas pourquoi. Ah, il peut sauter. Ouais! Yola, mes crayons! Est-ce que j'ai tué l'autre? Je suis pas sûr.
Mécréant ! Ah oui, bah oui. Je pense que d'appuyer sur le stick analogue gauche, ça doit être sans doute pour se mettre accroupi. C'est pour ça que j'ai cette phrase-là. Bon, il court pas vite, hein. Mais bon. Quand même dur de courir avec une armure. Bon, c'est un peu flou, c'est un peu brumeux, ce bordel. Bon, les environnements sont peut-être pas super super beaux non plus. Hein. Par contre, le perso, ça va. Ça peut aller, quoi. Oh, je suis complètement paumé, là. C'est quoi, ce travail? Ouais, je vais pas aller là. Je vais aller là, tiens. Allez, c'est parti. Ah, les gâchettes, on peut rien faire avec. Non? Ah ouais, d'accord. Je reviens carrément là, en fait. Ah, cette manie que j'ai d'appuyer sur le stick. Ça, c'est... Faut dire que... Ça sert pour courir dans certains jeux aussi. Ouais, donc comme vous pouvez constater, j'ai décidé de montrer le jeu depuis le début. Comme ça, bah... Voilà. On verra bien. On verra bien ce que ça vaut. Moi, personnellement, ce gothique, hein, je... Ce Gothic 4, je ne le connais pas, hein, personnellement. Moi, j'aime beaucoup la musique. Alors, on voulait m'embêter, hein? Parce que j'étais rentré là. Ah bah bravo les enfants, hein. Ah bah je vous félicite pas, hein. Quand même, vous aurez pas de danette, hein, ce soir. Ah non, là quand même, là c'est pas bien, hein. Y'a quoi à récupérer là? Y'a rien, on s'en va. Tiens. Bon, ils sont faciles à battre, hein, quand même. Ah ah. Je voulais voir s'il avançait, mais en fait, il avançait pas vers moi, hein. Il fallait que j'avance, hein. Ah bah bravo, il est pas mort et puis il a disparu. Eh bah dis donc, espèce de fumier. Je m'en doutais qu'ils allaient venir. Ah mais... Il valait mieux attendre. Bah toi tu viens ou pas? Ah bah dis donc. Eh bah j'ai bien anticipé celle-là. Ah, pas celle-là. Ils sont quand même pas sympas les gars. Bon. C'est pas le tout, mais moi j'aimerais bien récupérer ce truc-là, là. Ouais, bon, faut pas rêver.
Je sais pas pourquoi, j'ai envie de voir si je peux récupérer ce truc. Non, bon. Ah mais ça brille trop bien ce truc là, ça me plaît. Bon, ok, j'arrête. Taillot à Sarrazin. Que dit-il? Jour, nuit. À Kazok. Et tu vas te détendre toi avec tes boules de feu là. Mais arrête voir, minute papillon là. Mais tu vas me faire bobo. Mais vous êtes combien là-dedans? Ah ouais, t'es le même que tout à l'heure, mais avec une grosse piole en fait, toi, tu préfères comme ça te barrer pour faire genre, ouais, bah c'est ça. Tiens. Ah bah bravo. Ah non, bah alors là, les lâches. Revenez me battre. Waouh, ça c'est du doublage en français. Ouais. Revenez me mettre. Ok. Bah une autre fois sinon. D'accord. Oui. Ivy. Tu as encore fait un cauchemar? Ouais, celui avec le roi dans la grotte. Ça t'apprendra à dormir toute la journée. C'est pour me chercher des poux dans la tête que tu me réveilles? Non, c'est mon père qui te cherche. Grand-mère? Qu'est-ce qu'il veut? Aucune idée, mais il était de mauvais poil. Bon, bah, je ferais bien d'aller le voir, alors. Vous avez obtenu une quête. Appuyez sur option pour ouvrir la liste des quêtes et revoir vos objectifs. Le journal des quêtes conserve la trace de vos quêtes actuelles et passées, ainsi que des adversaires que vous avez vaincus. Si vous voulez vous concentrer sur une quête spécifique, affichez cette quête en surbrillance pour activer l'affichage de marqueurs et de flèches sur la mini-carte. Bon. Je sais pas, j'imagine que c'est ma copine, ça, ou pas. Ok. Bon, alors, sur le coup, là où nous étions, je trouvais ça quand même très moche. Là, maintenant que nous sommes en plein jour, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Bon, lui, j'aime pas trop sa gueule de... J'aime pas trop sa tête de... Je sais pas quoi, là. Non, mais sa tête est bien faite, elle est bien modélisée. Mais je veux dire, par là, je sais pas, je... J'aime pas trop sa tête. Alors, et après, est-ce qu'on peut changer plus tard sa tête? Je sais pas. Admirons un petit peu. Quand je regarde un peu les... la végétation, tout ça, c'est quand même pas mal foutu. Hein? Voilà. Ouais, c'était des moutons, de toute façon, c'est pas... C'est un jeu. Les jauges d'endurance, de santé et de mana sont positionnées en bas de l'écran au centre. L'endurance et le mana sont indispensables pour lancer de puissantes attaques au corps à corps et des sorts de magie. Si votre jauge de santé atteint 0, c'est la fin de votre aventure. Enfin, maintenant, si on tombe sur un boss vraiment difficile, j'espère quand même qu'il y a des points de sauvegarde. Hein. Voilà.
Bon, après... Je sais pas, mais... Je sais pas si c'est moi, je trouve que l'eau, elle est un peu bizarre. Puis, avec les rochers, là, ça fait un peu... Je sais pas. Enfin, bon. Après, bon, voilà. En, en journée, c'est assez plaisant. Bon, je m'excuse, hein, je me suis un petit peu attardé, comme ça, sur, sur les décors. Mais du coup, je suis un peu surpris, parce que, finalement... à première vue, comme ça, hein. La direction artistique est plutôt pas mal. Bon, par contre, c'est moi ou je... Je sais pas, j'aime pas trop sa façon de bouger. Du coup, on a... Ouais, par contre, il saute beaucoup plus haut que... Alors, en même temps, j'ai pas d'armure sur moi, donc c'est relativement normal. Je me vois bien, tu sais, faire ça tout le temps, là. Un peu comme ça, là. Ouais, bien. Alors, voyons voir la tronche des maisons, quand même. Ouais. Bon, apparemment... Bon, le jeu est quand même... fluide. Oui, c'est... Ouais, ça va. On peut parler à ce monsieur ? Salut, Uruk. Oh, berger. Grommar te cherche. Tu sais pourquoi Grommar veut me voir ? Non. Mais tu ferais bien de te dépêcher, berger. Il t'attend depuis un bon moment, déjà. D'accord. Mon fils, c'est... du sang ? T'inquiète pas, c'était qu'un mouton. Grand Dieu ! Pas encore ! Tu es censé t'en occuper, pas les massacrer. C'est bon, je m'excuse. C'est ce que tu as dit la dernière fois. C'est moi ou la mère, elle a des cheveux un peu trop... c'est un peu fluo, ce travail-là, non ? Ouais, je sais pas, c'est... Non mais je suis le seul à être choqué par la, couleur de ses cheveux. Et puis en plus c'est la visage du coup... sombre du coup par... Putain le contraste il est... Wow. Enfin bon. Ah, je peux dormir. Super, formidable ça. Ok. Alors fais voir si je m'assieds. Waouh, super, je me suis assis. Je me suis assis. Bon, allez, on arrête un peu, là. Ah bah, elle est pas mal, celle-là, dit. Attends, j'ai une idée. Voilà. On va sauter par-dessus. Ah, tiens, c'est marrant. Mais mort de rire, il essaie de faire un truc alors qu'il n'a aucune connaissance en alchimie. Ça marche ? Bon, moi je découvre, hein, je connais pas. Et donc, voilà. Ouais, bon. C'est quoi ça ? Plante médicinale, franchement. Oh, bah oui. Bah oui, on va y prendre, quoi. Parce que ça peut servir. Non, mais maman, fais quelque chose quand même, parce que tu me parais... un poil plus... Mais c'est bizarre tes cheveux, maman, fais quelque chose. Ah, mais c'est la fille de tout à l'heure. Dépêche-toi, mon père déteste attendre. Ah, je peux avoir un baiser. Alors moi, à mon avis, je pense que le gars, il la connaît un peu plus que... Voilà. Je pense que... Hein ? Je peux avoir un baiser ? Pas maintenant. Non mais attends, c'est quoi ça ? Eh ? Oh ! You ! Merde, je peux plus lui parler.
Bon, on va aller chez le voisin. Bon, le fromage de pain, tout ça, c'est plutôt pas mal fait. Ah, l'épaule ! L'épaule ! Hey, copine, l'épaule ! Bon, ok, je me calme. Eh, hey, t'es qui, toi, au fait ? Bonjour ! Bonjour ! Wow, je veux te parler ! Ah, tu m'emmerdes. Tiens, je vais aller barrer. Hop là, le pêcheur là-bas. Bonjour ! Mais attends, mais... Eh, mais tu me lances un vent, toi aussi ? D'accord, connard. On peut nager. Ah, c'est sympa. On peut pas aller plus loin. D'accord, c'est très bien. Bon, bah, c'est pas grave. Mais le mec, du coup, il s'est barré. Je lui ai fait peur ou quoi ? Mais si je vous emmerde, faut le dire ! Et t'es en train de pêcher du coup, toi ? Oh ! Oh. Ah putain ! J'aime bien me taper des délires. Bon, je vois peut-être quand même que je me concentre sur les quêtes, hein, parce que. Sacré bordel. Hein. Bon. Du coup, il est où ton père, toi ? Dépêche-toi, mon père déteste attendre. Bah ouais, je sais bien, mais il est où déjà ton père ? Je sais pas où est-ce qu'il est, moi. Ah, ça... Ah bah attends. Ah bah voilà. Qu'est-ce que tu manigances derrière mon dos ? Oh, vous parlez de... Je peux tout expliquer. Ah, vraiment ? Je veux juste apprendre quelque chose. Tu m'en diras tant. Ne t'approche pas de ma fille. De votre fille ? Oh, oui, bien sûr. Nous ne ferons rien avant d'être mariés. Je veux devenir un honnête homme. Tu veux épouser ma fille ? Je l'aime. Et elle m'aime aussi. Tu parles. L'amour. Si tu veux épouser Ivy, tu vas devoir passer 3 épreuves. C'est la tradition dans notre famille. Bah, tu me prends pour un blaireau, quoi. 3 épreuves ? D'accord. Par quoi commence-t-on ? Sais-tu où se trouve la tombe de Melkar ? Dans la grotte au Ratoup, juste derrière la ferme de Knut. Exact. Knut ? C'est qui Knut ? Prends la dague de Melgan dans sa tombe et rapporte-la moi. Mm-hmm. Alors, tu as la dague de Melgan ? Non. Et pourquoi ça ? Je croyais que tu aimais ma fille. Bon, alors... ouais, alors je suppose qu'il faut passer. Alors, que voulait mon père ? Me tester. Te tester ? Oui. Tu lui as parlé de nous ? Bien sûr que non, je ne suis pas folle. Dans ce cas, quelqu'un d'autre l'a fait à ta place. Que fait-on alors ? D'abord... Bref. D'abord, je dois aller chercher la dague dans la tombe de Melgan. Alors on pourra se marier. Tu veux m'épouser ? Bien sûr. Je ne pensais pas. Tu n'as jamais... Qui a pu parler de nous à ton père ? Peut-être Oruk. Tu as mis Oruk dans la confidence ? Non. Il nous a vus. On s'est disputés à cause de ça. Désolé, berger. Je peux pas te laisser passer. Mes champs sont infestés de rataupes. Tant que je m'en serai pas débarrassé, il vaut mieux que les gens restent au village. Grommar veut que j'aille dans la tombe de Melgan. Grommar, tu dis. Dans ce cas, je te laisse passer. Tu fais bien. Écoute, berger, passons un accord. Je t'écoute. Je te donnerai ma massue si tu tues les rataupes qui ont envahi mes champs. Alors donne-la-moi tout de suite. Je vais m'occuper des rataupes. Et donc c'est l'autre, Knut. D'accord.
Vous avez obtenu une nouvelle arme. Appuyez sur option et appuyez et ouvrez votre inventaire et accédez à la catégorie des armes de corps à corps. Puis sélectionnez cette arme et équipez-la pour remplacer votre ancienne arme. Donc inventaire, hein. D'accord. Alors, ah, c'est pas ça, si. Ah si, c'est ça, gourdin, oui c'est ça. Je crois que c'était une massue. Bon, ok, ça marche. Alors berger, t'as tué les rataupes? Tranquille Knut, tu travailles. Je l'ai déjà dit tout à l'heure ou pas? Bon, c'est pas grave. Des rataupes ont envahi tes champs. Mais ils ne supportent pas le soleil, pourtant. Le soleil ne leur fait pas de bien, mais ils restent quand même dangereux. Je me rappelle même plus si je l'ai dit tout à l'heure. Oh, on s'en fout. Bon. Voilà. Bon, alors il y a de la graisse de rataupe et de la viande tendineuse. Bon, on va tout prendre, hein. Piller les coffres et fouiller le corps de vos ennemis vaincus en appuyant sur la touche croix. Vous seriez bien avisé de ramasser tout ce que vous pouvez trouver en vue de vos futures quêtes. Ouais. Une sacrée gueule le truc, hein, quand même. Sur option et ouvrez la carte pour vous orienter. Vous pouvez déplacer la carte avec le joystick droit et agrandir ou réduire la taille de la carte à l'écran avec R2 et L2. Afficher l'environnement à la surface ou sous la terre pour pouvoir vous orienter dans les donjons. Ouais, mais bon, là, je vais le faire quand même parce que. Non, mais ils sont là-bas, il y a même des points d'exclamation. C'est comment déjà? Non, c'est pas ça. C'est. On avait dit la carte. Oui, bah c'est classique quoi. Allez, allez, bande de connards de râteaux. Voilà, c'est fait. Bon, bref. Donc, prendre tout. Ah, j'ai fait les deux en même temps. Impeccable. Ah, une plante médicinale fraîchement éclose. Impeccable. Tant mieux, mais tant mieux. Ah non, il n'est pas fait. Bon, bah ça y est, c'est fait. Ouais, donc en fait, c'est une espèce de petite lueur par-dessus quand on s'est pas encore fait, en fait. Bon, il y en a encore combien de ces bestioles? Tu parles d'une quête? Voilà, que je t'efface. Je sais pas si on peut. Question bête, est-ce qu'on peut loquer les. C'est rien. Autant tout prendre. Hein. Honnêtement, je sais même pas s'il y a une limite. Bon, normalement, ça va être le dernier, ça. Allez, vermine! Va-t'en !
Allez, on prend tout. Les pommes, les pommes. Voilà. Hop, hop, on prend les pommes. On prend les pop-pommes, quoi. Ouais, voilà, c'est parti. Ah ouais! Bon, on sent que le jeu est daté quand même, hein. Et c'est pas pour dire, mais bon. Hein. Ah, d'accord. Je devais faire demi-tour, mais bon, tant pis. Ouais, pour la peine, tu vas tout me donner, hein. Hop. Ouais. Mais je te vois pas. Pardon. Viens là! Bon bah voilà le poignard de Melgan. Ah, il y a un coffre, pas mal. Alors, potion d'Alma, plus 30 en régénération de santé pendant 20 secondes, plus 10 en armure pendant 60 secondes, pas mal. Épée rouillée, arme à une main, 5 en puissance. Au corps à corps et bouclier rond en bois, 20 en armure, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, c'est cool. Un petit coffre dès le début. C'est pas mal. Bon bah, y a plus qu'à se barrer. Bon, alors par contre. Merde. Attends. Ouais, voilà, donc si c'est ça, c'est par là. Par contre, l'inventaire. Arme à une main. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est ballot. Ah, c'est ballot en fait. La massue, enfin le gourdin, en fait, finalement, il est plus puissant. Ah, c'est marrant, je récupère une épée pour rien en fait. Bon, c'est pas grave. Par contre, on va quand même se... Non, 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 qu'est-ce que j'ai fait? Mais... Ah, je me suis trompé. Ouais, je me suis trompé. Voilà. Ah, voilà. Là, voilà. Ok. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal les trucs que j'ai récupérés là. C'est sympa ça. Ouais. Donc, on fait ça. Et du coup, juste pour savoir. Mais non, mais ça d'accord, mais. Et pour se servir du bouclier, il fait pas ça automatiquement. Non? Comment il fait? Ouais, bon, bref, c'est pas grave, hein. On va pas... Ouais. Hop là. Par contre, moi je sors quand même l'attirail parce que on
Si jamais, des fois, quelqu'un voudrait m'attaquer sur le chemin. Bon, après, j'irai pas jusqu'à dire que c'est super beau. Mais bon, voilà. La nature, l'eau, tout ça. Artistiquement, c'est quand même sympa. C'est quand même sympa. Eh, hey, bonjour! Bonjour! Connard! Encore toi? T'as tué les rataupes? Bah. Les rataupes sont morts, et tes champs sont de nouveau sûrs. Surtout ne m'en remercie pas. Ouais. C'est ça, merci. Juste pour dire. Non mais comme ça, juste pour dire, t'es un connard. Salut. Voilà, bon, il y a toujours une quête terminée. On va tourner voir l'autre connard de beau-père. Parce que finalement, bah on a récupéré le médaillon là. De quoi? De Melgan, je sais plus quoi. Au moins, ils sont faciles à trouver quand même, hein. Point d'exclamation sur la gueule. Bonjour. Bonjour, connard. Connard. Voilà, ça y est. Alors, tu as la dague? Oui, connard. Bah, ouais, connard, bah, juste te dire que t'es un gros... Voici la dague de Melgan. Bien. La première épreuve était la plus facile, de toute façon. Et en quoi consiste la deuxième? Tu dois me prouver que tu es capable de protéger Ivy. Vous voulez vous battre contre moi? Non. Un contrebandier s'est installé près du lac de la montagne. Chasse-le de notre île et rapporte-moi son arme en guise de preuve. La porte qui mène au lac est verrouillée. Pour chasser ce contrebandier, je vais avoir besoin de la clé. Tiens, la voilà. Maintenant, file. Vous avez progressé d'un niveau. Appuyez sur Option pour accéder à l'écran des compétences et associer les points de compétences que vous avez remportés à des compétences pour améliorer votre personnage. D'accord. Un contrebandier. Bon. Ok. Je peux rentrer chez toi? Bah tiens. Je t'ai pas dit, hein. Je t'ai piqué du pognon. Eh, hey, salut! Ça va? Ah, berger, as-tu trouvé la dague? Oui, Oruk, j'ai apporté la dague de Melgan à Gromar. La demoiselle sera fière de toi. Très fière. Ouais. Ouais, salut, hein. Alors du coup, faut passer par... Ah bah tiens. J'ai voulu vous espionner, mais je n'ai vraiment rien compris à ce que vous disiez. Que veut mon père, maintenant? Il m'a donné la clé que tu empruntes généralement dans sa table de nuit pour moi. Pourquoi? J'ai trouvé sympa le bug de texture, là, les feuillages comme ça qui cachaient la vue. Ouais, j'aime pas trop ce genre de truc, mais enfin bon. Il veut que je chasse Diego de notre île. Mais ça va être difficile. Je vais en parler à Diego. Il trouvera peut-être une solution. Hop, 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 t'en vas pas comme ça. Un bisou. Merde. Oh, c'est pas possible ça, vous êtes pas sympa. Hein. Puis toi, tu veux parler avec moi? Non. Mais... Je veux des amis. Ah putain, je sais pas pourquoi je me tape des délires là, ce soir. Waouh, vous avez enlevé clé de la porte. Ah putain, faut que j'arrête. D'accord. Hey.
Oh. Tiens, te revoilà, mon ami. Comment vont tes hématomes? Rien de bien méchant. Dans ce cas, tu veux t'entraîner à nouveau? J'aimerais bien, mais... Mais quoi? Gromar m'a chargé de te chasser de l'île et de lui ramener ton épée en guise de preuve. Vraiment? Et pourquoi t'a-t-il demandé ça? Eh bien, c'est une sorte d'épreuve. Pour avoir le droit d'épouser Ivy. Dans ce cas, tu as un problème. On dirait, oui. Qu'est-ce qu'on va faire, alors? Je vais bientôt devoir retourner à Argan, de toute façon. Montre-moi que tu as appris des choses, et je te donnerai une vieille machette ébréchée pour Gromar. Battons-nous! Et voilà. Pas mal. Je me rends. Tu te fais vieux. Alors, tu me donnes la machette? Tout doux, mon ami. Prouve-moi d'abord que tu peux aussi combattre quelqu'un qui ne te veut pas du bien. Qui dois-je combattre alors? Mon bateau est échoué sur la plage un peu plus bas. Il y a quelques gobelins qui rôdent dans les parages. Ils s'enfuient toujours dès que je m'approche. Et j'ai vraiment la flemme de leur courir après. Occupe-toi d'eux et je te donnerai la machette. Ouais, bah y'a pas de problème. Attends, je vais peut-être sauvegarder. Comment on fait déjà? Ah voilà. Donc vous appuyez sur la... Pour revenir à ce menu-là, vous appuyez sur la tablette de la manette. D'ailleurs, y'a quoi dans les options? Oui, d'accord. Ok. Donc là, juste pour voir... Voilà, on a bien... Voilà. Ah, par contre, je crois que j'ai oublié de faire un truc, au fait. Compétences et sorts. Il me semble que j'ai un niveau à attribuer, je crois. Courage, discipline, vigueur, précision, furtivité. Oh. D'accord. Ah bah. Ah oui, d'accord. Ouais, bon, on va mettre ça un peu en tout, en fait, hein, je crois. Voilà. Allez, accepté. C'est bon. Alors, je revérifie quand même. Oh, c'est bon. Voilà. Il fait un peu bizarrement, le truc de compétence. Donc, c'est par là. Diego! Il y a écrit quelque chose sur la pancarte. Non, ça dit juste c'est une flèche, d'accord. Alors tu crois que le mec il a rien écrit sur le panneau qui va aller en bas comme ça parce qu'il y a une flèche qui t'indique d'aller en bas, quoi. Bon, c'est pas grave. Ah bah oui, c'est vrai. Ta fiole. Hey! Oh! Ah, super! Ah, ça c'est bien ça! Pas mal!
Bon. Bah, si je peux me permettre, c'est assez simpliste, hein, quand même. Ok. Pièce d'or. Bah, tiens. Je vais me gêner. Bon, bah, tout prendre, hein. Rune des 4 vents. Ouais, valeur 100. Pas mal. Après, ça peut me servir, j'y garde, mais sinon, j'y vends. Pomme. Pomme. Bah, ouais, plus 5 en santé, quand même, hein. C'est que c'est pas rien, tout ça. Son arme là, on peut la prendre ou pas? Et bah voilà. Et des fois c'est pas simple de ramasser. Il a des sales gueules les mecs, hein. C'est pas un coffre ça, non? Ok. Eh ouais, on peut pas trop nager. Hein. Donc c'est ton. C'est le son bateau ça? Oh yes, 12 pièces d'or. Bande de chanvre. D'accord. Torche. Ah oui, ça c'est bien ça. Potion d'Alma. Bah aussi, j'en avais déjà récupéré une tout à l'heure, je crois. Fruit de Féchir. Bien. Prendre tout. Voilà. Donc ça c'est très intéressant, c'est pas mal. Moi j'aime bien. J'aime bien. Je suis arrivé par où? Je suis arrivé par là-bas? Ah non, non. Oh, des tortues! Oh, bah oui! Ah non, mais je vais pas vous tuer, hein, mais je voulais juste voir. Elles ont pas une barre de santé? Bon, peu importe. Ouais, des tortues. Moi, j'aime bien les tortues. Les carapaces, elles sont super bien faites, hein. Ah, j'adore. Ah, elles sont trop belles, les tortues. Moi, perso, j'adore les tortues. Hein. Bon, allez, on va pas s'attarder. Non, je suis content parce que j'aurais pu vous montrer un petit aperçu du jeu, déjà, en bon, le prologue, en fait. Hein. C'est déjà pas mal. Hey! Tu dors ou... Non, non, elle est morte. Ah, oh, ça, tu peux être sûr que c'est l'une de ces saloperies qui l'ont butée. Bon, du coup, bah, y a plus qu'à se servir, quoi. Petite perle, viande tendre. Putain, ça fait chier, quoi. Bah, je sais que c'est un jeu, hein, mais bon. De toute façon, tout ce qui est gobelins, ils sont pas là pour faire du bien. Ah, c'est sympa, ça fait une jolie vue comme ça. Voilà, il y a une jolie effet de brillance sur l'eau, là, comme ça, avec la lumière qui se reflète. Là, voilà, je trouve que l'eau est un peu plus... Voilà, c'est bien, c'est bien. Mais bon. On peut comme ça grimper. Ouais, cool, putain, c'est un peu plus de hauteur. Bon, Diego! Y'a rien, y'a pas un coffre et tout. Moi j'adore fouiller, j'adore. Voilà, Diego. Je me suis occupé des gobelins. Ils sont morts. Là, mon ami, tu as vraiment prouvé ce que tu vaux. Alors, tu me donnes la machette? Oui, prends-la. Et salut Gromar pour moi. Non, oublie ça. Après tout, tu es censé m'avoir chassé de l'île. Il aime bien Diego, il a l'air d'être... Et il a l'air d'être charismatique, il est bien. Sais-tu pourquoi? Sais-tu pourquoi Gromar veut se débarrasser de toi? Eh bien, mon ami, j'imagine que c'est parce qu'il me doit de l'argent. Ou alors, parce qu'il veut t'imposer une épreuve que tu ne peux pas réussir. Gromar ne va pas se douter de quelque chose avec la machette? Non, il n'est jamais venu ici en personne. Il envoie Oruk, son serviteur, quand il veut m'acheter des marchandises.
Je me rappelle plus si j'avais si j'avais utilisé les... Enfin, s'il m'avait parlé de ça, je me rappelle pas, donc je me fais pas chier, je suis en train de rentrer chez lui, tu sais. Tout est normal. Ça m'emmène où là? Hey. Bon, je sais pas si j'ai tout piqué, mais bon, en tout cas, il nous arrive rien quand on pique des trucs chez les gens. Au moins, c'est pas comme dans Elder Scrolls. Ah, je critique pas, j'adore la saga de The Elder Scrolls. C'est quoi ça déjà? C'est interdit. Alors, t'as un message qu'on a en sous-titre, mais par contre, il y a... Sauf erreur de ma part, c'est même pas écrit dessus. Ah. Il me semble que de toute façon, attends. De toute façon, j'ai croisé de là. Faut que j'aille là-bas, hein, de toute façon. J'ai pas entendu. Ah! Les connards! Tu crois quoi toi? Que t'allais m'avoir comme ça? Tu sais ce que c'est qu'une roulade? Sérieux? Voilà. Mais vous êtes cinglés les mecs. Ah, il y en avait encore sur le chemin, non mais... C'est le contrebandier. Oui, j'ai fait fuir le contrebandier. Et en voici la preuve. En effet, pas mal. Mais ne t'emballe pas trop vite. Il te reste une épreuve à passer. Laquelle? Tu dois me prouver que tu es capable de subvenir aux besoins de ma fille. Je veux donc que tu ailles chasser 3 cerfs majestueux et que tu me rapportes leur bois en guise de preuve. Je n'ai pas d'arc. Vous pouvez m'en prêter un? Pas besoin. Tu as des jambes et une machette, après tout. De mon temps, on tuait les sangliers à main nue. Tant pis. Je me débrouillerai autrement. C'est ce qu'on verra. J'ai dit à Ivy d'ouvrir la porte du bois au cerf dès le départ du contrebandier. Va la voir. Eh, hey, ma chérie, Donc, on a compris que c'était sa fiancée, hein. Alors, Diego t'a donné la machette? Oui, je l'ai déjà montré à ton père. Qu'est-ce que Diego t'a demandé en échange? Il voulait que je tue quelques gobelins, et c'est ce que j'ai fait. Tu as combattu des gobelins? Vraiment? Oui, et maintenant, je dois aller chasser des cerfs. Et comment comptes-tu t'y prendre? Je vais leur courir après jusqu'à ce qu'ils s'effondrent. J'aimerais bien voir ça. Mais dis-moi, t'es une chasseresse, non? Et si tu me donnais ton arc? Je ne peux pas enfreindre les règles, mais... Je l'ai bêtement oublié dans la tour de chasse par coïncidence. Tu peux aller le chercher là-bas. Merci, Ivy. Attends, je vais déverrouiller la porte. Amuse-toi bien avec les cerfs. Et si jamais tu manques de flèches, reviens me voir. Je t'en donnerai quelques-unes. Ok, merci. Ah, attends, 2 secondes au fait. Non, tu veux. Bon, d'accord.
Ouais, c'est sûr qu'il nous faudrait quand même... Donc c'est par là en fait. Ah, sympa. Râtelier à arc, appuyez sur... Ok. Ça va obtenir un arc, maintenez... Maintenez la R2. Non mais... La touche R2 pour bander l'arc, puis relâchez la pour décocher la flèche. Maintenez l'arc entièrement bandé pendant quelques instants pour augmenter les dégâts infligés par votre flèche. Vous devez bander l'arc pendant un certain temps pour pouvoir décocher votre... Bien. Voilà. Par contre, c'est pas dit. Est-ce que je suis équipé automatiquement par contre? Oui, apparemment je suis équipé, hein. Ah bah y'a des gobelins. Ah bah, n'importe quoi, moi. Sérieux, mais c'est une sacrée blague. Par contre, je vois que j'ai quand même perdu un peu de santé. Attends. Inventaire. Ah, les pommes. Tiens. Utiliser. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce que ça me fait du coup là maintenant? Ouais, bon, je peux remanger une, hein. Hop. Voilà. Bon, il me manque un point. Il me manque un point de santé, mais je pense que ça va pas être méchant, hein. Alors... Attends. Improviser. Non, c'est pas ça. Alors. Voilà, ça c'est fait. D'accord. Voilà. Ouais. Bon, apparemment, je les ai tous tués, non? Voilà. Donc, alors, au niveau... quête justement. Ouais. Alors, où est-ce qu'ils sont les autres? Parce que je sais... Faut-il en tuer encore ou est-ce que 3 ça suffisait? Voilà, qu'on va aller chercher.
bois du cerf, donc la viande, ok. Ça marche. Ah, faut se diriger là-bas. C'est parti. On peut récupérer des flèches ici. Ah bah non, c'est vrai que la miss nous a dit... Je sais pas si c'est moi, mais... Je sais pas si c'est moi, j'ai eu l'impression d'avoir des problèmes de son. Alors bah, vous les entendrez peut-être. Ou pas. On verra. Donc si c'est le cas, bah ça viendra je pense du jeu. Bah voilà. Hein. Voilà, voilà, monsieur, beau papa, connard. Alors, tu as tué les cerfs ? Voici leur bois. Ils sont assez beaux pour vous ? Oui, ils le sont. J'ai donc votre bénédiction. En effet. Tiens, accepte cette relique en gage de mon consentement. Quel genre de relique est-ce ? Mon grand-père l'a ramenée d'Argan il y a bien longtemps. On raconte qu'il y en a beaucoup d'autres comme celle-ci. Et que celui qui les possède toutes sera couronné de gloire et de richesse. Mon grand-père en parlait toujours avec un grand sourire. Ah oui ? Eh bien, personne ne trouvera jamais toutes les reliques sur Argan. Après tout, l'une d'elles se trouve ici à Féchir. En effet, mais il te reste une chose à accomplir. Encore une épreuve ? Pas une épreuve, mon garçon. Tu dois trouver un bracelet de fiançailles pour Ivy et obtenir son consentement. Un bracelet ? Je vais en parler à Alven. Il pourra peut-être m'aider. Bonne idée, mon garçon. Voilà, faut parler à Alven maintenant. Bah écoutez, je vais pas m'embêter. Parce que je crois bien que j'ai une heure de vidéo déjà, quoi. Faut dire que j'ai pris mon temps, je me suis amusé à contempler un peu les décors et tout ça. Donc du coup, je vais arrêter là. Hein, je vais arrêter là, mais avant tout, il y en a un qui est là, là. Il y a un mec qui est là, je vais peut-être aller lui parler. Alors, Gromar t'a donné son accord ? Oui, c'est bon, à l'instant. Eh bien, félicitations. Je dois encore trouver un bracelet de fiançailles pour Ivy, mais j'ai pas les moyens d'en acheter un. Va voir Auruk. Il a trouvé de l'ambre sur la plage il y a quelques jours. S'il te le donne, je fabriquerai un bracelet. Tu ferais ça ? Bien sûr, les amis sont là pour ça. Bon bah voilà, donc on a parlé à Alven pour le bracelet. La quête est mise à jour, donc voilà, on va dire... Finalement, on aura commencé... L'autre quête, c'est pas grave. Merci à tous d'avoir regardé cette première vidéo de Gothic 4 Arcania The Complete Tale sur PS4. Merci pour votre soutien. Merci d'aller sur oldschoolgameuniverse.blogspot.fr et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.